Et salut à tous et à tous, c'est GPM et Lilian, la GL Time pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ouais. Et aujourd'hui, dans un nouvel épisode de On sait pas le nom, insérez un nom ici. Voilà, on verra. Eh bien, on va jouer à Putain. VVVVVV, voilà, c'est bon. Donc VVVVVV. Lilian, un montage avec du sonore et si on arrive. Avec du clapement, voilà, bravo, bravo, on a réussi pas mal. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, donc, on est là pour s'affronter dans un fight épique. Épique. Voilà, donc les règles du jeu, c'est le premier qui termine le jeu à gagner. Et dans ce jeu, en fait, c'est très simple, c'est un commandant, vous devez sonner, bien sûr, vous devez sonner. Sauver vos amis. Sauver 5 personnes, et donc, du coup, le premier qui aura sauvé 5 personnes et qui aura eu le screen de fin du jeu, le screen direct, hein, on va pas récolter les 30 orbes, etc., pour finir le jeu entier, mais le premier qui finit le jeu direct, mais il aura gagné. Alors on va parler un petit peu de VVVVV. Donc c'est un jeu indépendant qu'on s'en fout de qui c'est qui l'a fait. Nicalis, il me semble. Donc un jeu indépendant sorti sur Nintendo 3DS et PC. Donc un petit jeu indé comme ça. Donc c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de néo-rétro. Donc un nouveau jeu rétro en quelque sorte. Hein, ça fait un peu bizarre comme nom, mais c'est ça. Un nouveau jeu rétro. C'est-à-dire que c'est un jeu récent qui sort maintenant, mais qui a une ambiance rétro. Vous verrez ça de toute façon. Hein. Et puis je pense que tout le monde connaît VVVVV. Non, pas moi aucun. Bon. Et ben voilà. Et voilà, on commence. On va commencer le jeu. Je suis sur le bouton Play. T'es prêt? Alors. 3, 2, 1. Maintenant. Et c'est là où tu confonds le montage et le 3, 2, 1 du démarrage, tu sais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas! Oh mon dieu, il y a des explosions partout! Mais stop! Qu'est-ce qui se. Tout le monde est ok? Oh non, tout le monde! Non, on a perdu des gens dans l'interférence. Quelqu'un va mal, nous allons nous cracher! Oh mon dieu, mais c'est. Évacuation! Oh non! Oh, tout le monde sur le pont! S'échapper. On ne pourrait. On ne peut pas, je sais pas quoi. Mon dieu, c'est ok. Les mecs, vous êtes où? Voilà. Eh hey, mais ça fait peur! That's what's scary! C'était effrayant! Putain, je crois que le son. Je crois que Skype est méga dégalé. Pas toi? Peut-être. Ah non, c'est bon. C'est juste moi qui fais des risques. Bon, bah alors Lilian, on est encore à l'intro que moi je commence le jeu, c'est lol. Non, je suis plus à l'intro là. Ah mais. Allô? J'ai deux machins d'avance déjà, je crois. C'est-à-dire? Bah moi j'en suis. Mais j'en suis plus à l'intro là. Je suis dans le jeu, je joue là. Bon, pour l'instant, ça c'est simple, c'est les premiers tableaux et on connaît un peu le jeu. Mon dieu! Oh mon dieu, violet! Mais tu es où? Capitaine, vous êtes ok! Blablabla, blablabla, on s'en fout! Attends, t'en es encore là toi? Ficello, le fromage trop rigolo! C'est quoi ça? C'était l'anecdote du jour. Bonne chance, capitaine! Blablabla, on s'en fout! Oh mon dieu, j'ai un shiny trinket! C'est génial! C'est génial! Oh merde! Yes! Oh mon dieu, j'ai une télé! Presse Enter, tu activates terminal. Ouais, blablabla, on s'en fout. Oh mon dieu, c'est trop dur! Oh là là, comment je vais réussir? Oh là là! Bon, heureusement qu'on connaît le jeu, parce que là, on aurait été comme sur Jilof, on aurait été comme des merdes à rien faire. À faire putain, je suis mort! Alors, je vous ai dit, hein, du côté là où il y a le checkpoint, il y a une norme, mais on s'en bat les couilles. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas entendre la musique du jeu. Franchement, vous loupez quelque chose, je vous le dis direct. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut le jeu en fait. Pour savoir, pour ou au moins écouter écouter l'OST du jeu. On vous mettra la musique est vraiment parfaite. On vous mettra quand même quelques musiques de VVV, mais. Voilà, vous aurez pas l'ambiance du jeu en fait. C'est ça qui va saouler. Oui. Oh putain! Mais bon. Le passage méga relou. Oublie pas le Shiny Tsukat. Non, trop facile. Oh là, j'ai failli crever comme une merde. Oh merde, j'ai crevé comme une merde. Aïe. Franchement, est-ce que VVV est mon jeu de plateforme préféré? Peut-être pas, mais ça s'en approche. Toi, GPM, qu'est-ce que tu penses de VVV? Bon, c'est un petit jeu sympa, mais il est. De la première fois, il est affreusement dur. Ouais, c'est vrai. Ça se trouve pour la musique en fait qu'on l'aime. Pense. Ouais, parce qu'il a une musique 8 bits de fou. Le mec il s'est dit tiens, si je faisais de la merveille. Et c'est comme ça que VVV t'a créé. C'est ça.
Oh mon dieu, j'en ai sauvé un! Ouais! Capitaine! Level complete! Wouh! Vous avez sauvé quelqu'un! Il reste plus qu'à... Et du coup, moi, je suis hyper loin dans le jeu, moi. Je te devance un truc de fou. Autant que ça? J'en suis au deuxième Chinese Ticket déjà. Moi, j'ai sauvé un gars. Ah, mais moi aussi, je l'ai sauvé. Putain, mais c'est méga décalé de Skype en fait. Vas-y, on fait 3-2-1, 2 secondes. Bah, non, 3, mais c'était décalé au bout d'un moment. 2. Maintenant, c'est. Oh mon dieu, y'a quête. Oh là, tous ces points d'interrogation. T'en es qu'à là, toi? T'as passé tout ça déjà? Bah, ouais, bah j'en suis. Tu sais, où t'as un passage où tu dois tomber tout en bas d'un trou pour remonter. Ah, mais bah, bon, alors là, oui, c'est moi qui te devance plutôt, oui. J'ai sauvé un gars. Il m'en reste 4. Bah, sauvé. Bah, moi aussi. C'est-à-dire, il y a eu un level complet qui s'est affiché. Ouais, moi aussi. Bah, alors là, t'en es méga loin, hein. Ça doit pas être ça. Non. On verra bien sur la vidéo, de toute façon. Oh, mais. Oh. Le trou, tu dois tomber dedans et après, tu dois revenir en haut. Voilà. Bah, alors, oui, c'est moi qui te devance, oui. Ah, ouais. Je pensais pas. On tape peut-être pas du même niveau, ça doit être ça plutôt. C'est sûr, oh putain, ouais. Je déteste ce level. Allez. Moi j'ai passé le niveau où tu sais, il y a une Tiny Tricket là où il y a des petits soldats qui montent là. Ouais, je te devance. Tu l'as passé? Ouais. Moi aussi, ça fait longtemps, mais. Oh, les pics de merde. Oh putain, la J'espère musique. Que vous appréciez la nouvelle interface que je me serais fait du mal à faire. Parce que. Qui ne l'a pas encore faite alors il vous parle. Oui, mais. Bon. C'est sûr, je l'aurais Putain, j'aurais je galère fait. Là. On rebondit. Et oui, c'est magnifique. Arme, tout ce que tu dois faire est connecté. C'est incroyable. Qui s'en fout? Qui s'en fout? Non, mais c'est mon Skype que vous devez sans doute voir. Bah non, il les voit pas si t'as fait. Bah, mais non, c'est vrai qu'il y a des énormes bandes noires dans ce jeu. Oh putain, c'est bon, je suis passé. Tu sais, il y a un truc. Moi, j'en suis là, il y a un truc jaune et tu dois rester un petit peu pour que ça se barre les trucs jaunes. Ouais, on verra bien lors de la vidéo. On verra bien en montage. Oh putain, j'ai. Là, j'ai mon premier téléporteur. Ouais, je te devance. Ça fait longtemps que je l'ai. Et là, t'as sauvé le gars. Ok. Ouais. Mais c'est ça que je te parlais. Ah, bon. Quand je te disais, j'ai sauvé un mec. Ah, tu me devances autant? Oui, ça fait très longtemps que je l'ai fait, ce mec. Ça doit pas être par là, parce qu'un truc aussi dur... Putain. Parce que ouais, on... Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas linéaire, on peut faire n'importe quel niveau avant. N'importe quel niveau qu'on veut. Ah! Y aller, ta gueule. Concentration. Oup! Hop là. C'est bon, je peux jouer au jeu, là? Waouh. Là, c'est toutes les Shiny Tricket, apparemment. Si j'ai bien compris. C'est là où tu dois aller. Allez, on y va. Donc on va aller choper les télés déjà. Même si ça sert à rien, ça débloque des musiques en fait. Lilian sait lire l'anglais, enfin c'est mieux lire l'anglais du jeu vidéo comparé à moi. Hein. Moi c'est genre LOL. Voilà. Oh putain. Bon, mais... map trick unlock, je sais pas quoi. Voilà, j'ai débloqué Passion for Exploring. Ah aussi, bon, je là, sais pas si vous voyez, mais il y a certaines fois dans les messages en bas, dans les noms des scrolling en gros. On peut avoir des petites références ou des petites blagues. Faut que je fasse une petite interface avec marqué héros sauvé 2 sur 2, etc. Ah, mais ouais. Parce que vu qu'on fait pas les niveaux dans le même ordre. Oh, je suis passé. C'est un miracle. Non. Bah, allez, on va aller dans la zone verte. Oh, une télé. Entrez. Comment qu'on lit les télés? Moi je suis là où il y a les élastiques, je suis passé par là moi. Les télés faut faire entrer, oui. Get ready to the bounce. J'aime pas trop la zone. Oh la vache. Oh la vache. C'est chaud. On a toujours GPM sur le fil. Oui, non, peut-être. Nous avons perdu GPM. Allô? Allô, allô? Y'a quelqu'un? On a perdu GPM. Allô? Ok. C'est
Ça s'appelle l'intervention de mon père et c'est chiant. Ah. Donc du coup j'ai coupé le micro pour que vous puissiez pas l'entendre. J'espère qu'il s'entendra pas. Bon. J'étais comme un con. Allô, allô, allô. Allô maman, bobo. Là qu'est-ce qui se passe? Oui mais en plus j'avançais, hein, j'étais en train de jouer, hein, pendant, hein, pendant le moment, pendant mon moment de silence, je voyais quelque chose. Putain, je galère. Je pense que je vais me faire défoncer sur ce level là. Enfin sur ce jeu là plutôt. Je sais pas, hein. La dernière fois c'est vrai que c'était assez serré avec Gilof parce que je te rattrapais des fois mais c'est vrai que tu m'avais bien fisté le cul à la fin. Putain, je suis une merde. Oh putain, je déteste ce passage. Parce qu'on a déjà fait le jeu un peu. Ouais, genre un tout petit peu quoi. Bah je l'avais quasiment fini donc. Genre fini quoi. Non, on va les chevaliers d'étriquette, on oublie hein. C'est oui, ça c'est ça. Parce que je me suis fait chier pendant deux levels à prendre les shiny trinkets de merde là. Non mais on avait dit que c'était useless en fait. Bon c'était les deux plus simples mais bon. Oui la première et la deuxième. Non jure. Sérieux. Putain merci GPM, quelle précision. J'ai commencé par le niveau des élastiques perso. Pareil. Oh téléporteur de, ah ouais d'élastique. Oh la musique, oh c'est trop bavant. Ça n'existe pas, c'est trop bavant mais bon. Ah oui, ça c'est un level où faut pas... Non. Bon, il y avait un téléporteur, j'ai eu la flemme de le prendre et... Mais il est mort. Et là, VVV a cessé de fonctionner. Fuck. Ah, je te devance encore. Syntaxe erreur, ok. Genre, elle s'est cru que c'était une calculatrice ou quoi, ou... What? T'es carré, c'est lol. D'accord, bon, allez, on va passer. Fisté. Waouh. En fait, VV, c'est un jeu où il faut être ultra précis dans les sauts, des fois. Surtout dans les élastiques, en fait. Et dans The Tower. Hein. The Tower, j'aime bien. La musique. Bah, c'est pas que je. Ouais, alors non, là, je me souviens de ce niveau, faut prendre un putain d'élan. En gros, tu dois faire ça, ça, et tu meurs. Non, c'est pas vrai. Tu dis beaucoup de noms, c'est pas vrai. De quoi? Tu dis beaucoup de fois non, c'est pas vrai. Oh, je suis passé. Non, c'est pas vrai. Ce troll. Ce qui est bien, c'est que tu remarques pas toutes tes morts et à la fin, vous êtes mort 10 millions de fois. Ah! Ah bon? Quand même. C'est comme Super Meat Boy, hein. S'il y aura un compteur de mort, on pèterait un câble. Hein. Dis-toi, alors, qu'il y a un alors, okay. Dis-toi que le speedrunner, il est mort que 3 fois. Ouais. Étranglement générateur. Mais attends, mais faut que j'aille où? Au téléporteur, faut aller où après? Faut aller au point d'interrogation. Là où il y a des points d'interrogation. C'est-à-dire? Bah, là où il y a des points d'interrogation sur ta carte. Voilà la map. Hein. Okay. Et une fois que tu vas. Et y a rien d'autre à faire une fois que t'as pris le téléporteur là? Ah, il y a une shiny trinket qui est hyper dure à prendre. Enfin, si, elle est simple, mais j'ai pas envie. Ah, ça va, ça me re-TP à la. Normalement, t'as 4 levels. Alors, t'as 4. Ouais, mais j'ai sauvé aucun mec là, donc c'est useless. C'est ça. Bah en gros, t'as contourné, enfin t'as fait. Donc en gros, c'est un level un peu useless. Faut passer par la zone violette et en labyrinthe là ou quoi? Bah en fait, t'as 4 types de scrolling, plus un cinquième, mais vous verrez ça. T'as 4 types de scrolling, donc si tu vois un scrolling différent de la map, entre guillemets, de là où. Ouais, c'est un shiny trinket. Ouais. Putain, mais je galère dans ce passage. Oh putain, je galère. Je suis une merde. Dire qu'on a déjà joué au jeu. C'est ça le pire en fait, c'est qu'on a déjà joué au jeu et qu'on galère au passage qu'on a fait 10 millions de fois quoi. Mais faut aller où en fait une fois que tu t'es fait téléporter là? Enfin, il faut aller dans des endroits qui sont différents de là où il y a toutes les maps, de là où tu peux aller partout. Tu vois un fond différent, bah c'est que t'es pas loin d'un gars je crois. Ah yeah. Et quoi what? J'ai fait logique. C'est ça. Putain je suis perdu là. On va essayer d'aller par là. Putain, mais qu'est-ce que je suis con. Ah mais je suis con, c'est pas... Putain, mais qu'est-ce que... Assurément. Constamment. Ah oui, ok, je me souviens, c'est là où il y avait les carrés qui volent et tout. C'est là où il y a les carrés qui volent, c'est ça? Je sais pas, du tout. À un moment, il y a des... Ah oh, là, des petits carrés qui volent, là, bien épileptiques. Je suis passé. Je passe. Bien épileptique, comme on aime. En fait, le VVV, c'est le genre de jeu qu'une fois que t'as fini d'y jouer, t'as mal à la tête. C'est pas faux.
Et t'as réussi mal aux oreilles tellement la musique est bonne. Putain, mais c'est ultra chaud. Allez, je passe. Oh mince! Je suis pas passé. Bon, Oh mon on va Dieu, essayer mais de l'ayant tu en n'es pas mode. passé! Mais c'est C'est impossible! Oh, ah oui, je me souviens de ça. Encore dans un Mario, ce serait surprenant de ne pas passer tellement c'est simple, mais dans un VVV. Ah oui, mais il faut aller vite, faut être fougueux. Il y a des fois où faut être fougueux, hein. C'est bon, je peux passer? Fougueux. Est-ce que ça existe dans le dictionnaire? Oui, bien sûr que oui, mais je sais pas si ça veut dire ça, hein. Faut être rapide, quoi. Fougueux. Putain, écoute, hein. VVV, c'est le jeu qui viole ton clavier. Pas trop, pas trop. Bon, un peu moins que Stepmania, mais bon, quand même un peu. Voilà, ouais, joue à Stepmania. Je vais vous montrer, moi. Le viol de clavier, c'est Stepmania. Le viol. Et Osus, les viols de souris. Non, c'est Putain. LOL le viol de souris. LOL, c'est le viol de souris. Ouais, mais Ozu aussi, c'est un peu un viol de souris. Hein. Ozu? Non, Ozu encore, Putain, ça va, mes mais. yeux, mes yeux, mes yeux, putain. J'ai trop mal aux Ah, c'est yeux. bon, je suis passé. Oh, je fais une pause, là. Oh, un mec! Oh. Putain, mes yeux, quoi. Oh non! Les fameux Blablabla, du wings. texte, on s'en fout. Putain de... Ah. Non, tu sors, Maël, tu sors. Dépêche-toi! Il n'y a pas de non. Tu sors. Deuxième mec sauvé. Tu sors. Et tu fermes la porte. J'ai une avance considérable, je pense. Mais oui, mais moi je galère avec tes putains de bones, ceux-là. Putain, toi aussi t'es encore... Toi aussi t'es passé le niveau des élastiques où il y a des ronds et des carrés qui volent là dans le ciel. Oui, je l'ai pas. Justement, c'est ce Ah. niveau que j'ai passé. On a choisi Et que tu exactement le même disais... niveau. Coïncidence? Quoi? Je ne pense pas. Oh, j'ai... Putain, ils me suivent, c'est pas... Je suis mort! Sans prendre le check, putain! Putain. Alors, par là, il doit y avoir de level. Par là, peut-être. On va faire gaffe au check, voilà. Ouf, je me rappelle pas à tel point c'était chaud, hein, VVV. Bah, maintenant, tu sais. Des nouvelles mises à jour sont disponibles. Et si je m'en. Eh, tu sais, Windows, je m'en bats les couilles. Ah! Ah, c'est toujours enfenêtré, toi, carrément. Bah, je suis obligé en fait. Pourquoi? Parce que, enfin, plein écran, c'est. Enfin, si, j'aurais pu jouer en plein écran, mais je crois que ça bug, Parce que donc je suis quoi? pas sûr. Enfin, VVV qui vole, qui bug, sur un Amstrad, ça marche. Hein. Quand même pas. Si, si. Bah, mis à part les décors en fond, ça marche. Hein. Les décors en fond sont trop rapides pour de l'Amstrad, mais. Et la résolution aussi qui est trop élevée pour de l'Amstrad, mais sinon, tout fonctionne sur de l'Amstrad. Hein. Je sais pas du tout par où aller en fait. T'es perdu en fait. Tu sais pas par où aller la première fois. Ah, peut-être par là. Mais non! Je suis mort. Ah, t'as magnifiquement bien imité Roll Mais Roll. Oh putain. On va aller par le haut cette fois-ci. en fait, toi, t'as un avantage, c'est que tu es sur PC portable. C'est que. Parce que moi, je me rappelle que quand je jouais au PC portable, sur PC portable, c'était beaucoup plus facile. Alors, sur Super Meat Boy, j'ai un avantage, j'ai pas d'Xbox. Et là, t'as un PC portable, donc t'as un avantage aussi. À la recherche de l'excuse de merde. C'est ça. Non, mais... Enfin, non, mais je dirais que Oh, toi t'as un avantage parce putain. que t'as les touches plus grosses en fait, donc tu réagis un peu mieux. Enfin. Ouais, mais elles sont plus éloignées aussi. Éloigné. Puis c'est un vieux clavier XP aussi. Je sais pas D'ailleurs, faut que du je change mon tout par matériel, où clavier, aller. souris, Ah oui, par casque. là. Oh non! Et il est mort. Et... Putain! Vous Le observez actuellement jeu un qui te babouin fait. en train de rager. Christine Taubira, regardant. Pardon. C'était très raciste. Allez. Putain, c'est trop Un gars, dur. un gars. Alors je vous mets au défi de faire une vidéo où vous jouez à VVV et que vous battez notre record. C'est tout. Évidemment en parlant, hein, sinon. Sinon bah. Ça va être un peu la fin du premier épisode. Déjà? Ça fait déjà 20 bonnes minutes qu'on y est, non? Ouais. Bah écoutez! Non, je sais pas. Bah écoute. Bon bah écoutez. Bah écoutez, On on se se retrouve. retrouve bah, pour la partie 2 où Lilian va-t-il rattraper son retard considérable qu'il a sûrement en ce moment? Bah vous le saurez dans le prochain épisode de. VVV Challenger. Peut-être pas VV Challenger, mais dans le prochain épisode Non, de on VVV. verra. Eh bien, salut à tous! Et dans un mois. Non, quand même pas. Allez, salut à tous!